Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te parler d'un projet qui s'appelle Swappy Network. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre plus d'un millier d'investisseurs malins. C'est parti! Swappy Network, c'est un projet créé par des Brésiliens. Alors, je dis créé par des Brésiliens parce que c'est un projet qui est basé à moitié aux États-Unis et à moitié en Suisse. La team créatrice, les fondateurs sont brésiliens. Ils sont partis d'un constat simple, c'est qu'il y a énormément de gens dans le monde qui n'ont pas accès au crédit. Et effectivement, c'est un problème assez connu. Et il y a un certain nombre de projets blockchain qui veulent résoudre ce problème. Et Swappy, à mon avis, est très bien placé parmi les meilleurs pour éventuellement effectivement résoudre ce problème à l'échelle mondiale, ce qui serait assez extraordinaire. Pourquoi c'est un problème de ne pas avoir accès au crédit? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a tout un tas de pays où des microcrédits, hein, ce qu'on appelle des microcrédits, c'est des crédits de quelques centaines, quelques milliers d'euros, peuvent avoir un impact absolument fondamental, changer des vies. Il y a à ce sujet un reportage sur Netflix qui s'appelle, j'ai plus le nom, merde, je te le mettrai en commentaire. Je vais le retrouver là juste après la vidéo que j'avais vu qui est extraordinaire, qui se passe en Asie du Sud-Est, quelque part aux Philippines, en Indonésie, et qui te montre concrètement comment ça fonctionne. C'est beaucoup de gens qui vivent dans des villages qui sont extrêmement pauvres, mais avec un tout petit prêt, ils peuvent acheter par exemple 20 poules et avec ça ils se mettent à vendre des œufs, ou ils peuvent acheter des graines de X, Y, Z, de riz, de pommes de terre, de je ne sais quoi, et faire une petite plantation et créer leur business, ou acheter, un cheval et puis une calèche et transporter des trucs. C'est tout simplement pour le côté entrepreneuriat, c'est pas de l'entrepreneuriat au sens occidental du terme, mais c'est ils peuvent se créer leur propre business, mais c'est des gens qui n'ont rien. Ils peuvent pas du tout mettre de côté en général parce qu'ils sont sous le seuil de pauvreté calorique, c'est-à-dire qu'ils ont même pas de quoi se nourrir suffisamment, donc tout leur argent ça va pour se nourrir, pour survivre, voilà. Donc c'est un vrai problème. Swappy Network, ils sont partis de ce problème-là, de ce constat-là, et ils se disent, bien sûr, la blockchain peut apporter une solution, ce qui est évidemment tout à fait le cas. Alors il y a d'autres projets qui font ce genre de choses, mais Swappy, je trouve que le truc est très bien conçu et il y a trois parties que je vais te décrire tout de suite qui font que je trouve le projet très très intéressant, très très smart. Donc, ils veulent créer trois produits en même temps. Le premier produit, c'est une plateforme de micro-prêt tout simplement, classique, qui permet à n'importe qui de demander un prêt et à n'importe qui de prêter de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, ce genre de plateforme existe, ça existe même déjà sur la blockchain, mais il n'y en a pas tant que ça avec une telle visibilité, un tel déploiement, donc ça c'est une première chose. Et puis c'est une façon pour les investisseurs comme toi et moi de faire travailler tes cryptos, puisque aujourd'hui si tu possèdes des cryptos, du Bitcoin et de l'Ethereum, la plupart du temps elles ne travaillent pas pour toi, elles sont là dans un coin à attendre. Elles peuvent prendre de la valeur parce que bien sûr c'est des actifs qui changent de valeur assez régulièrement, donc en ce sens ils se valorisent, mais à part ça ils restent là. L'avantage avec ce genre de plateforme, c'est que là tu vas pouvoir prêter tes Bitcoins, tes Ethereum à quelqu'un qui va te les rembourser avec de l'intérêt. Donc tu vas prêter 10 bitcoins, on va peut-être t'en rendre 11. Et en plus de ça, le cours du bitcoin aura pu augmenter. Alors ça, c'est à terme, puisque aujourd'hui, dans un premier temps, ils veulent faire du micro-lending que sur des fiat currency, donc sur de l'euro, du dollar. Mais dans un second temps, une fois qu'ils auront cette infrastructure en place, rien ne les empêche, et c'est une volonté qu'ils ont d'ailleurs, ils me l'ont dit, d'intégrer ce genre d'intégrer les prêts en bitcoin, en Ethereum, etc. Donc ça, c'est une première chose, c'est assez intéressant. Sur ce côté plateforme en crypto, en prêt, il y a de la concurrence, il y en a d'autres. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils rajoutent deux autres blocs par-dessus qui, je pense, sont assez intelligents et se complètent bien. Le premier bloc, le premier bloc rajouté, donc le deuxième sur les trois, Le deuxième bloc, c'est une identité financière unique. Donc concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir de prêt tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'identité financière, on ne sait pas qui ils sont. On leur demande, aujourd'hui, si toi tu vas à la banque et qu'on te demande, que tu demandes un prêt, on va te demander tout un tas de documents, des fiches de salaire, de prouver que tu habites bien chez toi, justificatif de domicile, tout un tas de choses qui prouvent que c'est bien toi et qui attestent un petit peu ta situation financière. Il y a beaucoup de pays où les gens, ils n'ont rien pour attester de là où ils habitent, parce qu'ils habitent dans des cabanes, ça n'appartient à personne, c'est un truc qu'ils ont construit eux-mêmes, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien, et donc ils n'ont pas d'identité financière. Et puis bien sûr, on va te demander, si tu veux un prêt, de vérifier ton identité, on va te demander ton passeport, ta photo, de vérifier que c'est bien toi, peut-être tes relevés d'impôts, ou encore un justificatif d'identité avec une facture d'électricité à ton nom ou quoi que ce soit. Eh bien, ce que propose de faire Swappy, c'est une plateforme où eux-mêmes, ils vont faire vérifier tous les documents, vérifier que c'est bien une certaine personne avec les documents qu'ils peuvent avoir, qui seront peut-être pas l'ensemble des documents que demande une banque, et que cette identité Swappy devienne une identité sur tout un tas d'autres réseaux, c'est-à-dire de partager. C'est un petit peu, j'avais fait une vidéo sur le Civic qui veut devenir l'identité en ligne, et bien eux, c'est l'identité financière en ligne. Donc une fois que tu es inscrit sur Swappy, tu as un profil. Ton profil, bien sûr, il vient être enrichi
avec éventuellement les demandes de prêts que tu as fait et tes remboursements pour prouver que bah, tu rembourses bien, tu es quelqu'un de sérieux, même si tu n'as pas une maison, un titre de propriété parce que ta maison c'est une cabane, mais si tu es sérieux, donc tout ça, ça vient s'enrichir, éventuellement si tu prêtes de l'argent à quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Et ensuite, ils veulent se servir de ce profil pour toi, que tu puisses t'en servir dans d'autres aspects de ta vie, pour t'inscrire sur d'autres sites internet financiers, et pourquoi pas à terme pour aller voir une banque en disant bah voilà, j'ai pas tous les papiers, mais j'ai un profil sur Swapi qui dit ça, ça, ça sur moi, et c'est bien sûr vérifié, inviolable dans une blockchain, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'encore une fois, le problème du microcrédit dans les pays en cours de développement, il vient en grande partie du problème de cette identité, de ce dossier personnel, etc. Ça, c'est le deuxième truc, donc la plateforme de prêt, l'identité. Et enfin, troisième, une plateforme d'achat-vente d'informations financières. La plupart des sites internet où tu t'inscris aujourd'hui, bah, tes informations, elles sont revendues à ton insu. Hein, on l'a vu avec Facebook là, très récemment, mais c'est le cas quasiment partout et c'est le cas aussi avec les informations financières. Bien sûr, ça intéresse beaucoup de grandes sociétés d'acheter des informations financières sur des individus. Bah, ce que propose Swapi, donc avec cette troisième brique, c'est une marketplace d'informations financières, donc eux ne revendront jamais tes informations à ton insu, mais toi tu pourras décider de les vendre si tu le souhaites, et ça te permet de gagner de l'argent. Bien sûr, eux ils prennent une commission pour avoir fait la marketplace, la mise en relation, mais c'est toi qui contrôles. Si tu veux pas vendre, tu ne vends rien et ça reste privé. Si tu veux vendre, tu vends, mais tu gagnes de l'argent. Donc c'est une façon aussi de gagner de l'argent en crypto-monnaie, de gagner des Swapi tokens gratuitement. Et ça, c'est une grande tendance, je trouve, tout un tas de projets qui permettent de gagner des tokens sans rien faire, en tout cas sans investir d'argent. Hein, on avait vu également, j'en ai parlé sur cette chaîne, une boîte qui permettait de gagner des crypto-monnaies en vendant des trucs chez toi dans ton grenier. Plutôt que de les vendre sur Amazon, tu les vends et tu gagnes des tokens. Donc là, simplement en t'inscrivant, en étant actif, simplement en prêtant un tout petit peu d'argent, en faisant un petit prêt ou quoi que ce soit, tu rempliras tes informations, tu auras toutes tes informations. Si tu as plus d'informations que les pays sous-développés, enfin en cours de développement, pardon, sous-développé c'est pas très sympa, en cours de développement, mais si toi t'as plus d'infos, t'as effectivement les infos sur ton chez-toi, ton titre de propriété, tes comptes bancaires, etc. Tu veux les mettre sur la plateforme et les monétiser, les vendre, et bien ce sera une façon pour toi de gagner de l'argent. De l'autre côté, bien sûr, c'est une façon pour les marques de venir acheter de l'information en disant, bah voilà, on est une marque, on veut acheter de l'information, où est-ce qu'on veut aller? Bah on peut aller sur Swapi qui sera à terme une très grande place avec beaucoup beaucoup d'investisseurs, de gens qui prennent des prêts, etc., d'acheter ces informations-là. Donc voilà l'ensemble de ces trois produits. Pour ce qui est de l'équipe, c'est des gens très expérimentés. Ils ont monté déjà une boîte sur le crédit, pas dans la blockchain, au Brésil, avant ça. Donc vraiment, ils savent de quoi ils parlent. Maintenant, ils passent ça dans la blockchain. Ils sont diplômés de la Draper University, qui est l'incubateur de Tim Draper, ni plus ni moins. Donc Tim Draper, que tu connais sûrement, hein, un espèce d'oracle, de gourou. Et donc, il a créé une université uniquement sur les projets blockchain. Ils ont fait cette université, ils en sont diplômés, d'une part. Et d'autre part, ils ont reçu un prix de la Singularity University. Donc la Singularity University, c'est un truc de dingue dans la Silicon Valley, c'est un des incubateurs, enfin c'est pas vraiment un incubateur, mais c'est un programme qui est complètement fou avec une ambition pardon, extrêmement folle et incroyable. Et la question à laquelle il faut répondre pour rentrer dans la Singularity University, c'est comment tu vas impacter 1 milliard de personnes dans les 10 prochaines années. Et donc c'est évidemment un projet Swapi en l'occurrence qui peut effectivement répondre à cette question, qui peut impacter 1 milliard de personnes, mais donc ils ne prennent que des projets qui ont un potentiel de dingue. Et donc le fait d'avoir reçu un prix de la Singularity University, c'est quand même assez extraordinaire, moi je trouve. L'ensemble de leurs projets est open source, tu peux aller le consulter, il est sur GitHub. Ils en sont en phase de pré-ICO, ils se lancent très très prochainement, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à leur projet, ça s'appelle Swapi. Et moi j'ai eu la chance de les rencontrer, de les advisor, je suis un des advisors de la team et c'est un projet dans lequel je crois vraiment énormément et je voulais t'en parler ici. C'est tout pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu penses que ce projet a du potentiel, est-ce que tu penses que le micro-lending avec la crypto ça va exploser et est-ce que tu penses comme moi qu'ils sont parmi les mieux placés pour réussir? Si c'est le cas, dis-moi en commentaire oui je le pense ou si tu me dis non je n'y crois pas trop, et bien dis-le moi également en commentaire, éventuellement avec tes arguments de pourquoi tu n'y crois pas. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne et si tu veux participer à l'ICO de Swapi, je t'invite à aller sur leur site internet pour t'inscrire. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!